Alors, je suis en relation avec de l'immobilier précisément depuis 8 ans. J'ai rejoint moi-même l'immobilier il y a un an et demi et directement chez ERA, tout simplement parce que mon épouse connaît très bien le réseau. Elle a pu en tirer profit, notamment dans la relation avec les autres agences et avec l'ensemble des agences parisiennes. Elle est très contente d'avoir rejoint un ensemble d'agences, voilà, très soutenues, très dynamiques et en avant. Bien, les trois points qui nous ont permis de nous faire avancer avec le réseau ERA, premièrement, c'est la formation, l'organisation de la formation, la mise en place de formation pour l'ensemble des collaborateurs, l'aide très structurée au recrutement. Le recrutement, pour nous, c'est très, très important d'avoir un avis au-delà de ce qu'on sait faire de mieux pour pouvoir recruter des collaborateurs. Et puis, troisièmement, les outils. Les outils ont été un excellent précurseur pour nous. Ça nous a permis d'organiser, d'optimiser, de structurer aussi bien les visites chez les clients que l'organisation des mandats, etc., etc. Je ne sais pas si on peut appeler de fréquence parce que c'est quasiment systématique. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on soulève son téléphone. C'est très facile de pouvoir joindre les interlocuteurs dédiés, tant en informatique qu'en matière de communication, de commercial. Et voilà, la franchise nous a apporté cette tranquillité d'esprit. C'est de ne pas avoir à penser à des choses sur lesquelles il y a déjà eu des vraies réflexions de mener. Et on s'appuie vraiment là-dessus pour avancer dans notre métier. Et je trouve ça très confortable. Je suis un peu feignant quand même. Alors, la formation telle qu'elle est proposée et pratiquée par ERA aujourd'hui nous permet de lever le doute sur la compétence de nos collaborateurs à pouvoir faire ce métier. Nous, notre véritable préoccupation, c'est est-ce que nos collaborateurs ont bien compris, ont bien tout compris à ce qu'on a l'intention de leur faire passer comme message. Et souvent, quand c'est dit par d'autres gens et que c'est simplement vérifié par nos soins, le message passe beaucoup mieux. Donc, dans notre préoccupation, c'est la réglementation, et puis surtout les bonnes pratiques, ne pas raconter de choses qui n'auraient pas de sens avec les clients. Pour nous, c'est la préoccupation, c'est l'image de marque de la maison, mais c'est aussi l'image de marque d'ERA France qu'on tient absolument à laisser intacte.